Alors Valérie Claude, quel serait l'intérêt pour le territoire royanais de développer la filière équestre? Écoutez, il y a différents aspects. Ce qu'on a effectivement acté aujourd'hui, c'est que nous avons tous les pôles d'attractivité pour les différents disciplines du cheval. C'est-à-dire qu'on a un magnifique hippodrome, bien évidemment, avec à peu près 700 chevaux, les meilleurs entraîneurs de France. Et puis ici, vous avez un centre de compétition, puisque vous voyez parmi les meilleurs plateaux français qui viennent à Royan, aussi bien en février, en juillet et maintenant en octobre. En compétition, on a de nombreux centres équestres qui sont sympathiques aussi bien pour l'école et puis aussi le loisir, où on a quand même nos plages qui sont quand même un petit peu maintenant dévoyées au plaisir des balades sur la plage, du côté de Ronces-les-Bains, de la Palmyre, et puis en forêt également. Et puis on a la route de D'Artagnan et la remontée de la Seuque que la Cara a initiée, et ça c'est vraiment très agréable. Donc aujourd'hui, on dit que la filière équestre est vraiment très importante, mais il faut lui donner un coup de pouce pour la faire connaître, aussi bien sur le plan régional que sur le plan national, connaître à tout point de vue et de la développer parce que ça a vraiment un intérêt économique très important puisque les CSI, avec les plus de 600 cavaliers qui viennent à chaque compétition et leurs accompagnants, on va dire, remplissent nos hôtels, nos restaurants, surtout en février, en octobre, et ça c'est fabuleux pour nous.